Salut salut, c'est Stofus et on se retrouve pour ma première vidéo. Donc vous me connaissez peut-être sous le pseudo de Echo Tsunami, des vidéos de Gugus the Fun ou Skyzer Coloss ou divers noms. Donc je vais vous présenter ma chaîne aujourd'hui. Donc c'est ma toute première vidéo, hein, donc vous pouvez le voir sur la chaîne, il n'y en a aucune avant. Pour me présenter vite fait, qu'est-ce que... Ah, je suis un cra, comme vous pouvez le voir. Donc feu rési on va dire. Donc vite fait on va voir les stats. Voilà, enfin les stats des rési. Donc c'est toujours sympa. Qu'est-ce que je vais... Alors le pro... J'ai plusieurs projets sur ma chaîne que je vais vous présenter pendant la vidéo. Dont le principal du nom de la chaîne, Stofus, Stofus, tout dépend comment on dit. Stofus c'est faire un mélange du mot Dofus et Stuff. Donc voilà. Mais il y a aussi le sens Stuff Us, qui veut dire équipe-nous. Donc je vous laisse deviner jusqu'au moment où je vais vous dire en quoi ça consiste. Bah le but de ce... Le but d'avoir choisi ce nom en gros. on va commencer par la présentation de mon cra, hein, ça va être assez vite fait. Donc le stuff est basique mais quand même assez cher. Enfin je le trouve, ça fait mal. Donc en premier en quoi j'ai mis un chapeau lisson. Pourquoi est-ce que j'ai mis un chapeau lisson? Pour la vita, la puissance, qui est vraiment très utile pour un cra, même si j'utilise que le feu principalement. Les coups critiques, qui me permettent le 1 sur 2 au bragueux. La PO, les dommages élémentaires, la base. Le retrait PA, PM, PM surtout. Esquive PA, PM, toujours sympa. Et surtout, 4 lignes de résistance, parfait. Je vais jouer vite fait. Donc voilà, vous pouvez quand même voir que les dégâts sont très corrects, hein. Je suis 1 sur 2 partout, sans dos sur case. Voilà, 500 la explo, même pour le PVM c'est sympa. Donc on passe au bâton bragueux. Pourquoi avoir choisi ce bâton? Bah pour un crash je pense que c'est le must. 3 lignes de dégâts. Donc boost 40 dommages, ça fait 40, 40, 40, ça fait 120 dommages par coup de bâton en plus. D'énormes dégâts de base. Un vol de vie, une zone bâton. Beaucoup de vita, intel, puissance, sagesse, coup critique, dommages, initiative. Voilà, j'ai pas fait beaucoup attention, mais c'était moins cher, il a 3 millions 2, j'ai trouvé ça correct. Jeannot, PAPM, voilà, parce que sinon je joue en 4PM, c'était pas top. Cap Professeur Xa qui m'empêche le mode 6PM, mais bon, plus tard quand j'aurai Exopea et Dofusocre, donc à la place d'un trophée, je jouerai en 12PA, 5PM, ça sera beaucoup mieux. Donc pourquoi Cap Professeur Xa donne des stats, dans à peu près tous les éléments sauf l'agilité. De la vita, de la sagesse, des coups critiques, un PA, sur je n'ai pas prise, des dommages élémentaires, de la prospection et des lignes de résistance. Bon normalement ça, monte, ça va de 3 à 4, mais j'ai pris une 3 partout, bon c'est mieux que rien. Dragon en armure, pourquoi? Pour la puissance. La cape qui m'empêche le 6 PM, donc je me suis dit je vais pas prendre une dragon en PM, et la seule qui était utile c'était celle-là. Donc j'ai pris 5% Resi All, puis comme je joue dans un stuff Resi, je me suis dit ça peut être pas mal. Alors, les cernes alpinistes, pourquoi ces bottes là? Vita, force, qui m'aide aux conditions du bragueux même si j'ai largement. Intel, sagesse, coup critique qui me permet de le faire sur 2. Le PM, les dommages élémentaires, initiative. En fait l'initiative j'ai l'impression qu'il y en a sur beaucoup de mes items, ce qui m'arrange beaucoup en Coliseum. Du tacle, qui ne me sert pas du tout, vu que je n'aime pas tacler. Et des skiffs PM, toujours sympa. En ceinture, j'ai mis la ceinture Anium, extrêmement bon jet, d'ailleurs je l'ai payé très cher. Jet parfait vita, donc 350. Beaucoup de force, beaucoup d'intel, sagesse, coup critique, un peu comme chaque item. Jet parfait en dommage. Soin du retrait PM qui est très utile pour l'écran. En anneau, j'ai mis Back Glourson, donc un inévitable que... Pas un inévitable. Comment dire? Un incontournable, voilà, pour les cras, enfin les personnages feu ou terre. Donc vita, terre, intel, sagesse, coup critique. Les dommages sont pas extrêmement bons jets. Bon, il y avait que celui-là en 4 coups critiques, donc j'ai pris celui-là, j'avais pas le choix. J'ai quand même pris les lignes de résistance en jet max. Bon, le soin, voilà, non, ça sert pas beaucoup. Encore du tacle, évidemment, ça sert pas beaucoup non plus. Amulet étendard,
Donc j'ai pris un bon jet, sans plus je pense. Donc il manque de la force, mais la force à la limite je m'en sers pas beaucoup. Intel, il me semble que c'est un over de 10 ou de 5. Agilité, sagesse, coup critique, PA, PO, le PO qui est vraiment utile. Des lignes de dégâts, bon, feu terre c'est le seul vraiment qui m'intéresse, donc jet parfait. Initiative, esquive PA, PM. Bon, maintenant on va passer au trophée. Voilà. Donc 2 fisca de 46. J'ai pas voulu prendre un 50 parce que pour 4 de sagesse c'est 1 million de plus. Donc bon, voilà. J'ai un ralentisseur majeur, bon, qui a été nerfé depuis la mise à jour, mais bon, ça reste toujours utile. Un savant majeur, 60 intel. Acrobate majeur qui me permet le 1 sur 2 au bâton, sinon je suis 1 sur 3. Le dommage feu qui me permet de gagner 12, 12, 12, ça fait 36 dommages feu. Toujours sympa. Et là il me restait une place, donc je me suis dit, tiens, je suis un cra, je vais mettre de la PO. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir regarder à peu près les dégâts. Bon, il reste plus beaucoup d'IO Pouch. Donc dans ma phase de boost, le problème c'est qu'il me reste toujours un PA, il me semble. Voilà. Ou alors il m'en manquerait deux pour faire tirer le nid, ça dépend le point de vue. Donc flèche glacée. Donc de très bons dégâts, hein, 280 coups critiques. Flèche magique. 420 coups critiques. Explosive. Donc il fait d'énormes dégâts. 440. Hein. Non, c'est 513 en coups critiques. Donc après je vais en relancer un pour faire les coups de bâton, pour vous montrer un peu. Ce que vous avez vu juste avant, mais il n'y avait pas forcément tous les boosts et tout. Voilà, donc le putsch est mort. Ah oui, il y en a encore un. Je me sens trollé là. Bon, on va attendre le repop, c'est pas grave, ça dure 5 minutes. En attendant, de quoi est-ce que je pourrais vous parler bah, du projet, pourquoi pas, voilà. Donc le projet, ce que je voulais faire en fait, c'était Stuff Us. Ça veut dire en anglais, équipe-nous, je sais plus si je l'ai dit, je crois. Équipe-nous. Donc en fait, le projet, c'est que grâce à ce site, j'espère que vous le voyez, de Facebook, donc je vais vous. Donc là, c'est la page de Gugu Stephen, c'est le stuff qu'il a actuellement. Et je vais vous. Comment dire, vous présenter les différents stuffs qui peuvent être adaptés à telle classe, à telle tranche de niveau. Évidemment, ce n'est pas. Comment dire, je dis pas tout, il y a vraiment d'autres possibilités. Je vais pas forcément tout dire, je vais pas forcément faire tous les staffs PVP, PVM. Si vous avez moyen pour un exo ou autre, c'est votre budget. Moi, je vais essayer de faire dans les budgets quand même assez raisonnables pour les niveaux. Donc là, on va pouvoir tester le bâton. Oui, donc raisonnable pour le niveau. Et aussi, staff us. Pourquoi le us? Pourquoi nous? Parce que si j'en présente, ok, mais ça vous aide pas beaucoup des fois. Et ben en fait, le projet, c'est que vous me dites le perso que vous jouez. Et j'essaierai de faire des vidéos où je regrouperai un ou deux stuff que j'aurais fait avec le nom de votre perso pour vous aider. Faudra mener votre budget, votre niveau, votre classe et tout. Mais je vais pas faire ça maintenant, je ferai ça quand il y aura quelques abonnés sur la chaîne. Genre une cinquantaine environ. Un peu moins peut-être. 20-30, voilà. Quand il y aura 30 abonnés, je commencerai le projet. Parce que là, si je le lance et qu'il y a deux personnes, c'est pas vraiment intéressant. Qu'est-ce que je peux présenter d'autre dans ma chaîne? Alors, vu que je viens de Rostov et que ce soir je fais le Terminator, je vais sûrement le filmer en le commentant différé, je pense, parce que le commentaire direct ça va être hardcore quand même. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Du Coliseum aussi. Bon, j'en fais pas non plus beaucoup parce que ça me gave. Je déteste ça quand même. Enfin, c'est pas mon truc préféré. J'ai fait 3 combats aujourd'hui, vite fait. Puis, on va dire que je suis pas très fort en PvP actuellement. Enfin, j'ai pas PVP depuis mon niveau 60. Hein. J'étais grade 10, mais faut pas déconner, ça fait un an. Donc, comment dire? Donc, je vais aussi faire des vidéos PVM solo. Pas d'astuce Kama. Ça, non, ça c'est vraiment. L'astuce Kama, c'est viens ici t'abonner, puis fais-moi des vues. Non, ça c'est pas mon genre. Et puis, de toute façon, si j'avais des astuces Kama, j'aurais plus d'1,8 million dans mon inventaire. 1,5 million. Gros fauché. Donc, que vous dire? Ah oui, je ferai aussi des vidéos succès. Enfin, les succès. J'en ai déjà fait un bon paquet, en tout cas, mais il y a encore moyen d'en faire quelques-uns, je pense. Alors, exploration, bon, ça va pas être passionnant, surtout qu'il me reste que Free Ghost. C'est que des zones où j'ai pas accès, sauf celle-là, je crois. J'ai la flemme.
Carnam, voilà. Donc exploration, c'est mort. Donjon, je vous filmerai sûrement cela. Donc économe que je ferai avec un ami mini mortel qui est dans ma guilde. Ah oui, il faudra que je vous présente la guilde aussi. Main propre du Koulos que j'ai tenté une dizaine de fois. Le Wawabit que je n'ai jamais tenté. Parce que le chemin est très chiant, mais je vais essayer de faire Blitz moi. Ouais, Blitz. Avec le même ami si veut bien. Là, les donjons 100 à 150, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quand même. Donc ça commence à être des donjons durs. Bon, le rat noir, mauvais souvenir, parce que on a un peu tenté avec mon pote 4 fois. J'en ai marre, c'est tu le Minotaur Or, qui est vraiment un des donjons les plus relous du jeu à cause de son labyrinthe. RM, faisable. Maître Pandore, faisable. On l'a tenté aussi 4 fois. Enfin, c'est que des donjons pas hyper compliqués. Bon, là, ça c'est mort. Ça, c'est le genre de donjon. Et si t'as pas une team de 8, tu peux pas le faire. C'est énorme. Alors, les monstres. Donc, j'aurais bientôt fini le Succès Challenger. Enfin, et j'ai fait un bon paquet de monstres. Après, il manque juste les monstres compliqués. Donc, je filmerai sûrement ça. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Après, je pense que ça viendra au fur et à mesure. Alors, pas d'aggro AV1, vu que je suis très nul et pas du tout optimisé pour ça. Comme vous... Ah oui, les stats aussi. Si vous voulez regarder vite fait ma pseudo-optimisation, enfin, c'est pas énorme, hein, vous voyez. Je suis full intel, parce qu'au début, je voulais PVM, et puis je me suis inscrit au Kurmi, donc j'ai changé mon stuff. Donc, initiative, j'ai une belle initiative, je trouve. Un bon retrait PM, 58, enfin, ça reste convenable. J'ai 110 de puissance grâce à ma Dragonnar, entre autres. 13% terre, 8% neutre, 13% feu, 20% eau et 17% air. Donc les résistances très convenables, je trouve. Après, c'est juste le skill qui me manque pour pouvoir les exploiter. Hein, parce que ma vita est pas dégueulasse non plus. J'ai vu beaucoup de gens avec moins de vita. Donc pour les exploiter, il va falloir juste que je m'entraîne pour me jouer. C'est pas compliqué, c'est comme tout. Ma guilde, donc on va en arriver là. Donc, ah bah, notre petit meneur est connecté. Qu'est-ce que. Dans l'ordre des gens, hein, environ. Donc, le meneur, Gugus le Fan, j'imagine que vous le connaissez parce que. Il est assez connu dans le monde de YouTube Dofus. Enfin, YouTube Dofusien. Après, il y a différents membres. Je vais pas tous les citer parce qu'on est 78 quand même. Il y a quelques-uns qui méritent quand même des cités. Le Dread. Par exemple, Dreadlocks, le seul niveau 200 de la guilde. GG à toi mon gars. En plus c'est avec lui que je vais faire le Curminator ce soir. Après il y a beaucoup d'apprentis hein, comme vous voyez. On prend des stagiaires. Voilà. Il y a de l'arbin, c'est pas ce qu'ils foutent là. Bref. Je sers vraiment à rien. Et donc moi je suis bras droit depuis hier. Oui, ou avant-hier, je sais plus. Car l'ancien bras droit a quitté la guilde pour en rejoindre une autre, enfin, c'est une longue histoire. On a un enclos, oui, et une maison, il me semble. Voilà. Au village de la Canopée. Donc c'est à Otomei. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Des attaques percepteurs avec mon ami. Mini mortel encore. Parce qu'on adore faire ça. Voilà, mini mortel. Sacrifier 199. Jouant presque le même jeu que moi, je pense. Parce qu'il joue Bragueux. Bon, pas un sur deux, parce que lui, il lui faudra un tu du 14. Vu que moi j'ai tir critique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je vous ai présenté le projet. Je pense qu'on va se finir là-dessus parce que je vois plus grand-chose. Peut-être que d'autres jeux arriveront aussi par la suite, pas tout de suite en tout cas. J'attendrai que la chaîne commence un petit peu à se lancer, puis je verrai après. Donc bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ah, j'ai plagié Gugus. Non, bon allez, salut tout le monde.